Attention à l'expédition FCBA Florac là sur la butte de Launay pour 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002 d'Indy 33 qui vous appelle. Et 73 Ludovic, as-tu entendu l'expédition? On l'a entendu ce matin, là, tranquillou, là, on est sur la route avec Eric, on est à 10 km là deux. Ok, j'entends des appels derrière, des appels francophones dans le lointain derrière. On va appeler le Et 73, oui, au travers de la surmodulation. Oh la vache, j'ai rien compris. Tu me donnes une fréquence, Rémi, s'il te plaît? Ok, attends, je regarde. Vingt-sept cinq cent soixante-cinq. Ok, c'est parti pour moi. Ok, voilà. Donc, t'as un convoi exceptionnel aujourd'hui, les 73 à toi. Ok, les 73 à toi, ça va bien, ça va bien. Tu passes avec un bon signal, 5-6, tranquille, hein. Ouais, ben, hey, c'est du 56 aussi, hein. Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Voilà, en espérant avoir justement là, cette expédition là, sur la butte de Launay. Et ouais, ça passe bien, c'est réciproque. C'est cool, je te passe le micro à Rémi, là, parce que. À Eric, parce que je suis en train de conduire quand même, je passe le micro à Eric. Enregistrer le break. Les 73, oh, Radio 3, Santiago 3, les 73, Eric. Ouais, d'accord, alors en attendant que tu sortes du trou, ok, je vois où tu es sur la voie rapide Bordeaux-Libourne. Voyez un break, en avant le break. Je crois reconnaître un Roger Bip de 9009. Salut Rémi, salut à tous, 73 de Florent. Ok Florent, les 1351 à toi, comment vas-tu? Super, je suis à l'ombre là dans mon garage, tu sais, et là je suis bien avec le petit ventilateur. Et toi, comment vas-tu? Ben ça va, on vient d'aller faire notre droit à citoyenneté là à l'instant même, on vient juste de revenir au QRA. Ouais, moi ça a été fait ce matin. Voilà, mais je sais pas, apparemment tu es avec, mais je sais pas, je les entends pas, il y a Eric, j'ai entendu Eric et une autre station, mais moi je les entends pas. Ok, ben comme c'est là, ils sont sur la voie rapide, là, Bordeaux-Libourne, et tu as deux trous là sur la voie rapide, le trou de la poste, et l'autre après en suivant. Donc au moment où Eric a pris le micro, ben il devait être dans l'un ou l'autre. Hop, retour Ludovic. Ouais, c'est Eric. Je sais pas avec qui tu es, lui. Ok, avec Florent de Galgon. Ok, 73, Florent. Ok, Eric, je t'entends, mais alors, signal de 3, radio de 2, 1,5, 2, hein, c'est à peine. Heureusement, j'ai pas trop de QRM, je t'entendrai pas. Si tu m'entends, ben, je te renvoie les bons chiffres, Eric, retour. Ouais, c'est raté, c'est bien. Ok, je crois que je vais faire le QSP, je ne soumets plus personne. Ok, ouais, Ludovic et Eric sont en route là pour l'expédition la FCBA Florac sur la butte de Launay. Hein. Ok, bon, bah écoute, hein, super, hein. Il y a une propagation d'enfer, moi je vais retourner un peu sur le 555. Voilà, ce matin j'ai fait le Havre, et puis département 80, je ne sais plus où c'est. Bon bref voilà, bon en très peu de temps, j'avais très peu de temps et j'ai fait ça en très peu de temps. Voilà, retour Rémi.
Ok, il n'y a pas de problème. Eh bien, tiens, hier, pour la suite de la discussion qu'on avait dehors, quand j'ai vu l'heure, ben, en fin de compte, non, je ne me suis pas arrêté, j'ai filé. Ça sera pour une autre fois, il n'y a pas de souci. Je chie trois coups. Oui, quelqu'un a voulu reprendre le micro derrière en avant. Voilà, on a monté un peu le coup, là, ça va mieux. Santiago 3 de mon côté. Voilà, pas de chaleur. On est d'ici quand vous allez au Montagne Russe, c'est normal. Santiago 5, ça se rapproche. Ouais, ça se rapproche. Hop, ça s'éloigne, tu t'es trompé de route. On est à 2 km, c'est ça à peu près, voilà, tu vois. Non, je déconne. Bon, j'aimerais bien les entendre là, un petit peu là, sur la butte de l'aunay, là, que je puisse les avoir, là, les attraper dans la vidéo. Là, ce serait pas mal intéressant. Et puis faire un petit échange en même temps, car eux font des échanges de QSL papier. Hein. Voilà, puisque là, il y a des fois, il y a des questions qui sont posées à ce niveau-là. C'est pour ça que je le dis là en même temps. Eh ben oui, mais comme j'attaque le pro là tout à l'heure, là en soirée, là jusqu'à 7h demain matin, forcément ce matin je pouvais pas être là. Retour Ludovic ou Eric. Ah, on a de la propa qui nous arrive là derrière. D'accord, Santiago 3. Florent, t'es toujours là ou t'es reparti sur le 555? On a pas là. Non, je suis là. Je suis avec le décamétrique. Ça va passer un peu mieux. Ouais, je vais retourner sur le 555. Je vous laisse. Et peut-être plus tard. Merci. Hein. Ok, ça marche, les bonnes 1351 à toi, profite de cette propacte, ça fait déjà 4 bonnes semaines là, qu'on l'a comme ça, là, tous les jours, c'est excellent ça, c'est marrant à quel point on s'y habitue, quoi. Même s'il y a du bazar sur le 555, et bien du coup, la propacte est là, on est content. Ok, les 73 à toi, Florent, merci pour ton petit passage, ah oui, tiens, j'ai fait une petite vidéo là du poste, hein. Là, tu as dû certainement la voir. Allez, je te laisse repartir, lancer tes appels. Bye bye. Salut Rémi, salut à tous. Ouais, retour Ludovic ou Eric. Ouais, on est toujours là, on approche. Hein. On l'a en visu. Tu as la butte de l'aunay en visu? Ah ben c'est bon ça. Ouais, on est après le 20h. Ouais, ça navigue entre un signal de 3 à 5, comme quoi c'est pas tout à côté quand même, malgré tout. Et là, j'ai un seul moment de vie, là, il y a un peu de valeur, mais un seul mètre de sol. Ah, chie, trois coups. C'est comme une histoire, mais j'en raconte pas là, oui. Ouais. Ah tiens, là, à l'heure qu'il est, là, il est quelle heure? Il est 14h50. T'as, j'ai 36 degrés, là, ici, là. La vache, ça cuit, hein. Oh, nous n'avons plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Tout, tout, tout. Ah, il y a de la moustache. Vous êtes toujours là ou vous êtes rendu? Ouais, on regarde. Tu essaies de viser les fossés, c'est ça? Ah oui, c'est les plus intéressants. Il y a toujours quelque chose à découvrir dedans. Non, je dis, on essaie d'éviter. Là, on arrive, c'est comme une vallée de l'église. À 15h10, on était trop loin. T'as tourné trop loin, c'est ça? On est arrivé à 15h10 déjà là, on a dû tourner par là. Hein? Ah, ça y est, on a trouvé le panneau. D'accord, ok, donc il ne vous reste plus qu'à monter la côte, hein, c'est ça, et puis vous serez rendu sur la butte. Paris 3 km. Paris 3 km. Ah chie, putain, puis c'est dans la boîte ça.
Bon, à tout hasard, est-ce qu'il y aurait l'expédition FCB à Florac là derrière, là, sur le QSO? On sait jamais. Putain, par contre, la moustache, là j'en ai, là. Alors, c'est ce que vous avez trouvé, là? Santiago 2, 3, là, sur le dernier passage. Au grimpe. Bon, d'accord, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été plus inquiétant, quoi. Alors, tu devrais leur dire qu'il faut lancer, que pour faire une expédition, quand on prend le micro, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Hachi. Ah, voilà. Donc, d'un côté, tu as l'expédition FCB à Florac. D'autre côté, tu as le Radio Club de Libourne, qui, eux, doivent être, si c'est comme l'année dernière, en pleine compétition, en VHF, je crois. C'est ce qu'ils faisaient, en tout cas, l'année dernière. Ouais, c'est ça, 140. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc eux, par contre, ils sont en plein concours. Hein, si l'année dernière, c'était ça, en tout cas. Tu vois que Pikachu, Pikachu! Qu'est-ce que c'est? Pikachu! Salvador, el professeur. Salvador, el professeur. Io non posso fare, professeur. Tu fai la luna, c'est bon, non? Aïe, aïe, aïe. Alors, vous êtes rendu, c'est bon? Io posso fare, professeur, tu puoi fare la luna. Professeur. Oh putain, j'ai un QSO là, espagnol ou je sais pas, là, qui, ou portugais, je sais pas trop. Enfin bon, bref, du sud là, qui s'est installé sur la fréquence. Moi je vous entends plus, vous devez être certainement rendu. Je vais redescendre là sur le 27555 là pour essayer d'appeler l'expédition. Hein. Hop là, c'est passé là, une seconde. Ok, à plus. Attention d'expédition FCBA 33 sur la butte de Launay pour 14 ODR 002 d'Andy 33 qui vous appelle. Pikachu, Pikachu! Pikachu, Pikachu! Attention, l'expédition FCBA Florac sur la butte de Launay pour 14 ODR 002, qui vous appelle? Attention, l'expédition FCBA Florac, là, sur la butte de Launay, là, pour 14 ODR 002, d'Indy 33 qui vous appelle. La côte sur un bonjour. Oui, il est 73 de la station. 73 d'Indy, Christian. Ok, 73 Christian, j'essaie d'attraper l'expédition, la FCBA Florac, là, de la butte, qui est sur la butte de Launay. Mais bon, ça, je sais pas où ils sont passés. En espérant que tu ailles bien. Oui, 36 ici, c'est un peu frais. Rectification, 37 degrés maintenant. Allô, allô, allô.
Attention, l'expédition FCB à Florac sur la butte de Launay pour 14ODR002 d'Indy 33 qui vous appelle. Attention, l'expédition FCBA Florac, FCBA 33 sur la butte de Launay pour 14 ODR 002 d'Indy 33 qui vous appelle. Oui, la station qui m'appelle, QSY, la fréquence de ton choix. D'autres stations se réveillent comme un boulet de canon, j'ai rien compris. Hein. Si tu m'entends, 27585. Oui, la station qui m'appelle, si tu m'entends, le 27585. Ok, oui, la station pour Dandy 33, est-ce que tu es là? Ok, les bassons 13, voilà, de 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002, Dandy 33, sur, entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, Sud-Ouest de France. Je sais pas si tu m'entends derrière, pourtant quand j'ai vérifié la fréquence était propre. 27575, 5 de 5e, 7 de 7e, 5 de 5e, 27575. Oui, bonjour, les 73, la part de 14, Delta Romeo 33, 14 ODR 002, d'Indy 33. Ok, 73 retourné, voilà, de la part de Rémi, Sud-Ouest France, entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, le département du Var. Je pensais reconnaître une station locale, vu la modulation, et j'arrive dans le Var, comme quoi, la magie des ondes. Donc là, de mon côté, puisque vous faites un essai, il y a un crachotement dans la modulation. Donc, c'est un signal de 4-5, mais un crachotement dans la modulation qui donne du coup une radio de 4. Oui, le département du Var. Oui, le département du Var. Voilà, je sais pas la propagation espagnole. J'entends que les Espagnols maintenant. Ok, je viens d'avoir une pointe, un 57 là de mon côté là. Comme quoi, la propagation a l'air de monter encore. Comme la température, puisqu'ici là sur le sud-ouest, on a une température là qui est de 37 degrés là maintenant. Oui, affirmatif, Santiago 9, là, sur le dernier passage. J'ai mis un autre micro, là, par rapport au micro d'origine. Alors, je sais pas si ça fonctionne bien, ma foi. Ah, c'est un micro-casque, hein. Alors,
c'est un micro-casque, elle, voilà, avec tout un bazar devant la bouche, là, qui me pose des problèmes. Hein. Voilà, alors je sais pas. Alors là, c'est 75 watts avec le Mark 5, là. Oui, bonjour à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stations qui parlent, et je sais pas si je suis en contact avec quelqu'un. Alors, voilà, micro-retour, c'est quelqu'un qui m'a entendu. Affirmatif, 59 là au dernier passage, c'est mieux là avec ce micro là, c'est beaucoup mieux là. Les 73 de 14 ODR 002 Dandy 33 opérateur Rémi sur le sud-ouest France département 33, donc là avec ce casque là, ce micro casque là, c'est beaucoup mieux. Ah, j'ai pas compris. Ouais, bonjour le 33, seulement bon, il y a plusieurs personnes qui parlent. Je sais pas, est-ce que ça marche bien? Parce que là, il était devant la bouche, là. Ça part devant la bouche, là. Là, je l'ai éloigné, là. Parce que je sais pas si ça fonctionne bien. Si vous m'entendez bien, là. Le 33, là, micro à vous. Oui, affirmatif, 59 plus 10 maintenant, 59 plus 20, ouais, 59 plus 20 là sur le dernier passage, là sur le département 33, les 73-51 à vous, ça marche mieux là maintenant, les 73-51 à vous, voilà, de la part de 14 Delta Romeo 33, ou alors 14 ODR 002, et pour le sud-ouest, Dandy 33, opérateur Rémi, entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Il y a beaucoup de monde, hein. Je sais pas si je vais pouvoir continuer parce que j'ai l'impression que tout le monde parle en même temps et que bon, il y a des QSO en parallèle, mais fait, c'est la radio. Hein. Non, c'était juste pour savoir si ça marchait correctement, on va dire. Hein, voilà. Alors c'est avec un micro L, hein, je répète, un micro L, avec une pédale au pied et sur la tête et un micro devant, là, qui me pose un peu des problèmes. Hein, voilà. Et le poste est un Jésus avec 75 watts et l'antenne c'est sur un pylône, c'est le 6 éléments de ta loupe. Il est tourné pas tellement vers le sud-ouest, plutôt vers la Bretagne. Voilà, retour, le 33, là, je crois que c'est Rémi, non? Oui, affirmatif, 100% QSL, c'est bien ça, Rémi. Voilà, eh bien, oui, effectivement, ça marche mieux comme ça. Le plus haut auquel vous m'êtes arrivé, là, ici, sur le sud-ouest, c'est 9 plus 25. Voilà, avec une bonne radio de 5, ça marche bien. Ça marche vraiment bien, là, ce micro. Et de la façon dont vous l'avez réglé maintenant, là, c'est impeccable. Ouais, ok. Merci, hein, Rémi, voilà. Tourner, parce que bon, après j'entendais la Normandie au même plus haut là, puis même maintenant c'est carrément ça tourne un peu avec l'Espagne. Hein. Voilà Rémi, eh ben, nous il fait chaud, hein, il doit faire une 28-30 degrés là. Je me trouve sur le département du Var. Hein. Voilà, la ville c'est hier, les Palmiers, en face des îles d'Or, Porquerolles, Porquerolles et le Levant. Voilà, et le fort de Brigançon à gauche, un peu plus à gauche. Direction le Lavandou. Donc très très beau temps, l'Américain. Il y a de belles YK là. Et ça on les garde. Voilà Rémi, retour. Là vous m'avez tout dit là. Hachi trois coups. Eh bien, je suis étonné de voir qu'il fait plus frais chez vous que chez nous, puisque là, moi, je suis dans les environs là, de Saint-Émilion, hein, et j'ai une température là, extérieure là, à l'ombre de 37 degrés. Donc là, ça fait quand même un bel écart par rapport à vous. 37 degrés là, ici, sur le sud-ouest. Hein. Ouais, c'est vrai, non, mais j'ai vu la télé. Hein. Chaque fois qu'il fait un coup de chaud qui vient du Maroc ou d'en bas d'Afrique, enfin, à chaque fois vous êtes les premiers à être servis avec des températures de 7 à 8 degrés par rapport à nous. Hein. Voilà, mais encore j'exagère un petit peu, hein, parce que du côté de Draguignan, il doit avoir ces températures au-delà. Hein. Par contre, nous, Bordemain, il y a des 27-28. Hein. Voilà, et l'endroit le plus chaud du coin, c'est le Luc. En Provence et un peu plus haut, c'est pratiquement les mêmes températures que chez vous, c'est au pied du Mont Ventoux, hein. Malocène, Carpentras, tous ces endroits-là où il fait à peu près une dizaine de degrés de plus que par rapport à nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'air marin là. Voilà Rémi, là, retour à vous.
Ok, à tout hasard, si vous êtes sur sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple, j'ai un groupe là qui s'appelle Division 14 ODR, ou alors mon compte d'Andy CB Radio. Parce que là, je suis en train de faire en même temps une petite radio, une petite vidéo, pardon, qui pourrait bien vous servir pour voir comment vous passez. Sinon, j'ai mon forum sur Facebook, la planète CB francophone, enfin bon, bref. Si vous êtes sur Internet, là, vous aurez le plaisir de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne là de votre côté. Car c'est vrai que quand on fait des essais de micro, de trucs comme ça, on n'est jamais si bien servi par soi-même. Et là, ça peut être justement l'occasion pour vous de voir ce que ça donne. Alors, au choix suivant, parce que là, tout à l'heure, là, je pars au pro, là, jusqu'à demain matin 7h. Soit j'arrive à mettre la vidéo en ligne cette nuit, je sais pas encore, ou alors ça sera dans la journée de demain. Enregistrez le break, retour le VAR. Ok, la propagation a tourné. Vous êtes passé d'un Santiago de 9 plus 20, 9 plus 25 à un demi-point. Les 73-51 à vous. Merci pour ce petit, pour ce QSO. Et à très bientôt, le département du Var. En avant le break. Oui, affirmatif, juste avant d'être surmodulé sur la fin, c'est du 44-54 là de mon côté. Ok Cyril, oui, je crois savoir qui tu es, il n'y a pas de problème. Les 73-51 à toi Cyril, mais comme quoi la propagation est vraiment de ce côté-là. Et peu importe le relief, quand la propagation est là, c'est impeccable, parce que justement, tout ce qui est la Côte d'Azur, tout ça, vu la configuration géographique que j'ai ici, c'est complètement fermé, complètement bouché. Et grâce à la propag, j'arrive à vous avoir tous là de ce côté-là, quoi. Voilà, je suis en train de faire une petite vidéo, là, j'arrivais là sur la fin de la vidéo, le temps de relancer à nouveau, là, pour une deuxième vidéo qui viendra compléter la première, H3Coups, car là, je tiens à immortaliser ça pour que tu puisses voir ça après, là, sur Facebook, et sur Facebook, sur YouTube, enfin bon, bref, partout, quoi, H3, voilà, comme ça, pour que tu puisses t'entendre, il faudra avancer la vidéo sur bien 28-29 minutes hein, de la vidéo. Voilà, c'est à partir de ce moment-là là, que tu arriveras à t'entendre. Voilà, parce que vraiment, ça me permet d'essayer la
Ok, merci pour le retour du micro. Oui, alors avec Gilles. Gilles sur le Québec, c'est 9 Bravo Charlie, 555. Voilà. Et c'est vrai que là, sur le QS, sur un des QSO là, du canal 27, alors j'avais posé le téléphone connecté sur Facebook et en vidéo chat, message perso quoi, sur Facebook. J'avais attrapé Gilles. Et donc lui, Gilles, avait une vue directement sur la façade du poste, comme si lui-même était devant son poste. Et pour la petite anecdote, là, pour les passages de micro, lui voyait à chaque fois quand je mettais le micro, quand je plaquais le micro face au haut-parleur. Donc quand il me voyait approcher le micro du haut-parleur, donc il voyait de suite que c'était à lui de parler et machinalement qui répondait et ainsi de suite. Ah, c'est vrai que c'était du bonheur. Et côté vidéo, pour arriver à tout avoir en même temps, je fonctionnais avec un jeu de glace qui me permettait d'un côté d'avoir quand même la façade du poste au moins un peu, et d'autre côté via le miroir voir Gilles dedans quoi. Et c'est vrai que là c'était assez sympa, assez abracadabra en même temps, parce que c'est vrai que c'est pas très naturel comme façon de se contacter en radio, mais tellement amusant. Ça change de la routine habituelle. Enfin, quand je dis routine, je plaisante en disant ça, parce qu'en radio on peut pas parler de routine. À chaque fois c'est du nouveau, du renouveau. Enfin bon, bref, la magie de la radio quoi. Retour le micro. Je pense que tu m'as repassé le micro. La propague a tourné là de mon côté. Hein. Je te reçois plus qu'avec un signal de 1, et encore, je ne sais pas si c'est pas le niveau de QRM qui me monte le signal à 1. Mais en tout cas, côté radio, c'est passé à une radio de 2, voire un peu moins. Car c'est devenu là quasiment, enfin complètement inaudible de mon côté. Quand je dis radio 2, là je suis généreux, hachis. Parce que là j'ai rien compris du tout de ce que tu m'as dit, mais bon, c'est pas grave. La suite du QSO ben, se fera sur internet, c'est pas bien méchant, ou sur un nouveau passage de Propag une prochaine fois. Ok, je sais pas si toi tu m'entends encore, mais bon, de mon côté là c'est devenu, ça s'est refermé. Des bonnes soirées 1351 à toi, très content de t'avoir eu en fréquence. Et à une prochaine. Merci, bye bye. Ah, ça va tourner. Attention, le FCBA Florac, FCBA 33, en expédition sur la butte de Launay pour 14 ODR 002, Dandy 33 qui vous appelle. Thank you.
CQ11, North Italy Station call. 10, Alpha Oscar. 004, North Italy Station call listening, please QSY. And 27, 675. Thank you. Attention, l'expédition FCBA Florac, FCBA 33 depuis la butte de Launay pour 14 ODR 002. Dandy 33 qui vous appelle. Attention Christophe, attention l'expédition FCBA Florac, FCBA 33 depuis la butte de Launay pour 14 ODR 002, Dandy 33 qui vous appelle. Désolé pour la propague, on n'y est pour rien. H3 coup, ça on peut pas canaliser la propague, lui demander de baisser, au contraire on en profite. Non mais je reste pas, hein. Putain ça bombarde. Ouais ouais, affirmatif, de tous les côtés, je viens de faire le Var, tout ça, tous ces coins là, ça passe. Hein. Bon, attention, l'expédition FCBA 33 pour, sur la butte de Launay pour 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002, Dandy 33 qui vous appelle. Cola, whisky, cola, vermi, cola, in Italia, buonasera. Là, je me suis fait marcher dessus, là. Attention, l'expédition FCBA 33 depuis la butte de Launay pour 14 Delta Romeo 14 ODR 002, Dandy 33 qui vous appelle. J'ai pas bien compris, je crois que c'est ça, 27 420. Ok, c'est parti pour moi. Ouais, attention à la station pour Dandy 33, 14 ODR 002, 14 Delta Romeo 33, QTH Sainte-Colombe, Sud-Ouest France. Attention la station là pour Rémi, est-ce que tu es là? Zut. Ok, je me suis trompé, n'importe quoi. Oui, la station pour Dandy 33, est-ce que tu es là? Ah, zut. Ma faute.
Attention, la station là qui m'appelait là, pour 14 ODR 002, Dandy 33, QSY 27 420, 27 420. Ouais, la station pour 14 ODR 002, Dandy 33. Attention, la station pour Rémi, est-ce que tu es là? Hop, j'ai entendu quelque chose, les 73-51 à la station de la part de 14 ODR 002, Dandy 33, Sud-Ouest France, QTH Sainte-Colombe. J'ai entendu quelque chose, mais c'était, on va dire, d'une radio 1, radio 2, Santiago, j'en parle même pas, Hachi, il est parti de l'autre côté. J'ai énormément de mal, j'ai entendu que ça répondait, j'ai énormément de mal à sortir la station, on dirait qu'il y a un petit peu de propag aujourd'hui, Hachi 3 coups, donc il y a pas mal de surmodulation et pourtant ça a l'air d'être la fréquence la plus propre, là ici, enfin l'une des plus propres, et là c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ok Claudie, Hachi, 14 ODR 0016, 14 ODR 016, voilà, ça sera assez long comme ça. Les bonnes 73 à toi Claudie, comment vas-tu? J'ai la vidéo là qui continue, là ça tombe bien. Alors là ça va être une maxi vidéo là que je suis en train de faire, c'est-à-dire deux morceaux là de 29 minutes là qui sont en cours. Hachi 3 coups, je vais avoir de quoi m'occuper à un moment aussi là à mettre ça en ligne. Ah, je suis content de t'avoir en fréquence là quand même. Mais je sais pas si t'as entendu, la propag en ce moment est plus du côté sud-est, de ce côté-là, puisque j'ai attrapé le Var, j'ai attrapé d'autres secteurs de ce côté-là. Là, pas loin de chez moi, sur une colline, il y a une expédition. Eux, j'arrive pas à les attraper, quoi. C'est un comble. Hachi. C'est très très compliqué pour te sortir, hein. Je sais même pas si tu as relâché le micro, je sais pas, mais je sais pas comment toi tu m'entends, mais c'est très très compliqué de mon côté. Par contre je suis en train de regarder l'heure, je vais pas m'attarder plus longtemps car là ce soir j'ai le pro et tout, donc faut que, ouais 3h25 c'est ça, il faut que je commence à me préparer pour une nuit de pro. Très content de t'avoir eu en fréquence, Claudie. Les bonnes 73-51 à toi, bon contact, bon QSO, car il y a énormément de monde là derrière. Là, depuis bien 4 semaines, là, c'est comme ça, là, en tout cas pour nous sur le sud-ouest. Je dis ça parce que j'ai vu des régions, alors que nous, on avait une pleine propague, j'ai vu des OM dire que eux, de leur côté, ben, c'était le calme plat. Alors, il y a des trucs qui nous font un petit peu halluciner comme ça, mais pourtant, bon, la magie de la radio, Hachi 3 coups, donc on en profite, nous, de notre côté. Je te laisse, Claudie, les bonnes 73-51 à toi, très content de t'avoir eu, et à très bientôt. J'ai rien compris du tout à ce que tu m'as dit. Je sais pas si c'est ton accent belge qui fait ça. Non, je plaisante. Hachi 3 coups. Non, mais c'est complètement. Tu verras sur la fin de la vidéo. Là, tu verras, c'est même en décortiquant, c'est pas évident. Je t'ai entendu rire. Ça, oui, d'accord. Ça, c'est passé, c'est enregistré. Mais c'est tout ce qui est passé. Je te laisse, Claudie. Très content de t'avoir eu. À très bientôt. C'est métro, c'est joli.